Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Karim Benzema est un footballeur professionnel français. Il a joué comme attaquant pour le club espagnol du Real Madrid et l'équipe nationale de France. International français, Benzema a remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans de l'UEFA 2004 et a fait ses débuts seniors pour la France en 2007, à l'âge de 19 ans. Il a remporté plus de 80 sélections, y compris des apparitions et des buts dans trois tournois majeurs, les éditions 2008 et 2012 du championnat d'Europe de l'UEFA et la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Il est revenu dans l'équipe France pour l'UEFA Euro 2020. Quelle est la fortune de Karim Benzema? Pour le moment en 2022, la valeur nette et la fortune de Karim Benzema estimée à environ 70 millions de dollars. Karim Mostafa Benzema, né le 19 décembre 1987 à Lyon, France. Son père Hafid, né à Tixer tandis que sa mère, Waïda Djebara, né et a grandi à Lyon dans une famille oranaise. Karim a trois frères et cinq sœurs avec qui il a grandi à Bron, en banlieue lyonnaise, et a fait ses études au collège Saint-Louis-Saint-Bruno de Lyon. Benzema rejoint le club natal de Bron-Thérayon SC à l'âge de 8 ans, alors qu'il était au club, il a surnommé Coco par des amis et, après avoir marqué deux buts lors d'un match des moins de 10 ans contre l'Académie des Jeunes de Lyon, a commencé à attirer l'attention du plus grand club de la ville. Karim Benzema a commencé sa carrière senior avec le club natal de l'Olympique Lyonnais en 2005, contribuant sporadiquement à trois victoires en Ligue 1. Benzema a commencé la saison 2005-06 sous la tutelle du nouveau manager Gérard Houllier. Le 4 mars 2006, Benzema a marqué son premier but en championnat professionnel contre Ajaccio lors d'une victoire 3-1. Benzema a commencé à gagner plus de temps de jeu au cours de la saison 2006-07 et a fait ses débuts en compétition lors du Trophée des Champions 2006 contre le Paris Saint-Germain. En 2008, il a été nommé joueur de l'année de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, UNFP, et dans l'équipe de l'année alors qu'il terminait meilleur buteur de la Ligue et remportait son quatrième titre et sa première Coupe de France. En 2009, Benzema a fait l'objet d'un transfert record d'association de football français lorsqu'il a été signé pour le Real Madrid pour un montant de 35 millions d'euros. Il a présenté officiellement en tant que joueur du Real Madrid plus tard dans la nuit au stade Santiago Bernabéu, de la même manière que les signatures précédentes de Kaká et Cristiano Ronaldo. Au Real Madrid, Benzema a également été nommé joueur français de l'année à trois reprises. Benzema a commencé la saison 2013-14 en marquant lors d'une victoire 2-1 sur le Real Betis au Santiago Bernabéu. Le 6 août 2014, le Real Madrid a annoncé que Benzema avait signé un nouveau contrat de 5 ans qui le maintiendra au club jusqu'en 2019. Le 4 octobre 2020, Benzema a marqué son 250e but pour le Real Madrid toutes compétitions confondues, lors d'une victoire 2-0 contre Levante UD. Donc en 2022, la valeur nette de Karim Benzema fortune estimée à environ 70 millions de dollars. Voici quelques-uns des meilleurs moments de la carrière de Karim Benzema. Se classe 3e derrière Franck Ribéry et Thierry Henry, 2007. A marqué 5 buts, 3 en championnat et 2 en Europe, 2011. A été élu joueur de la Liga du mois d'octobre, 2014. Meilleur joueur de la Liga, 2020. Benzema est connu pour ses capacités aériennes, son rythme de travail, son jeu et sa finition. Il a marqué son premier but lors d'un match amical contre l'Autriche et se classe au 10e rang des meilleurs buteurs de l'histoire de son pays. Enfin en 2022, la valeur nette de Karim Benzema est estimée à une fortune personnelle de 70 millions de dollars. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.